Monsieur le ministre d'État, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous sous le fromager pour cette nouvelle table ronde sur les approches traditionnelles de résolution des conflits. Je remercie Monsieur le ministre d'État d'être parmi nous et je vous laisse la parole pour ouvrir cette table ronde, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame. Madame la sous-secrétaire générale des Nations Unies, coordinatrice du système des Nations Unies, coordinatrice humanitaire au Mali, Madame Baranga Garazaboué, et Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le sage, Monsieur l'écrivain, donc Monsieur le médiateur par excellence, Professeur Chérif, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais introduire, en me basant sur le parcours de notre conférencière d'aujourd'hui. Le choix a été d'autant plus judicieux qu'elle connaît le contexte national guinéen, où pendant des années, en tant que représentante résidente du système des Nations Unies, elle a participé à la construction de l'architecture nationale du dialogue. J'ai eu l'honneur, avec elle, pendant quelques 5 ans, de travailler sur cela. Elle fait partie des gens qui, peu à peu, ont appris à la classe politique guinéenne, à la société civile, au-delà des discours verticaux des uns et des autres, de travailler à l'horizontale et d'apprendre à s'écouter. Madame Baranga, nonobstant le fait qu'elle prenait des risques en tant que fonctionnaire international, s'est donné comme mission de faire partager un principe simple. En fait, il n'y a de conflit qu'entre les gens qui ne se parlent pas. Il n'y a de vrai conflit qu'entre les gens qui ne se parlent pas. Et elle a milité, je ne dirais pas qu'elle a travaillé, elle a carrément milité pour que les Guinéens, peu à peu, s'écoutent, apprennent à travailler sur les mêmes textes. Elle a financé, sur ma demande, des voyages d'études. On a organisé des exils sur l'île de Kassa en face pour la classe politique, pour travailler sur l'ébauche de ce qui est devenu plus tard la Commission électorale nationale indépendante. Elle a travaillé aussi pour que l'architecture de gestion des conflits en Guinée soit décentralisée au niveau de toutes les préfectures et les communes du pays. Cette expérience, j'en suis sûr, n'est pas pour rien dans les fonctions actuelles qu'elle occupe au niveau des Nations Unies, au Mali notamment. Cette expérience guinéenne l'a suivie aussi au Conseil de sécurité, où pendant des années, en étant staff du Conseil de sécurité, elle a visité beaucoup de pays du monde, l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan, la Chine, tous les pays du monde, pour travailler toujours sur la construction de la paix, sur la mise en place des processus de dialogue. C'est pour remercier l'organisateur en chef, Sansi Kaba, que ce choix est vraiment judicieux et nous allons être à une école aujourd'hui vraiment intéressante parce que l'expérience est variée. Par sa personne, tout ce qu'elle est, femme africaine, rwandaise, zaïroise, guinéenne, malienne aujourd'hui, elle a beaucoup à nous apprendre sur les conflits. Elle est née dans un pays, dans une région de conflit. Elle a dans sa vie des parcours qui n'ont été dictés que par le conflit. Parce que quand on est rwandaise et qu'on se retrouve à un moment donné, Banyamulenge, de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté, en face de chez soi, avoir une autre identité parce qu'il y a conflit dans son pays, je crois qu'on connaît les questions de conflit mieux que quiconque. J'ai voulu insister sur ce parcours personnel parce que ce parcours personnel peut rendre certaines personnes conflictuelles parce qu'elles ont trop baigné dans le conflit. Au contraire, ça l'a rendu d'un optimisme extraordinaire quand il s'agit de mettre en face les gens qui ne s'écoutent pas, quand il s'agit de mettre en face les gens qui pensent qu'ils n'ont rien à se dire. Je voulais finir la présentation de Mme Baranga
en insistant sur une chose. L'expertise qu'elle a aujourd'hui au niveau de l'Afrique et des Nations Unies est pour beaucoup dans le peu qu'on sauve au Mali aujourd'hui. À un moment donné, elle est venue alerter les autorités guinéennes en disant, en dehors des relations inter-État, vous êtes des frères, vous et les Maliens, j'ai compris. Intervenez, parlez, essayez de tout faire pour que les parties en présence se parlent. Et je ne dis pas que ça a évité le coup d'État, mais ça a permis peut-être que la gestion de ce coup d'État soit plus pacifique aujourd'hui qu'il l'aurait été sans ce dialogue amorcé avant même que le coup d'État ne se produise. Ces longs dialogues qui n'ont pas donné de résultats apparemment ont permis d'apaiser les mœurs, ont permis de faire de la vie humaine une chose sacrée au cœur de toutes ces démarches-là. J'ai insisté sur la présentation de M. Lamine Camara pour une raison simple. Toute sa vie aussi est caractérisée, sa vie personnelle, professionnelle, enseignant, ancien prisonnier, ambassadeur, ministre, toujours celui de la génération d'en haut qui encadre les plus jeunes. Capi, comme on l'appelle, son nom de footballeur. Hein, il était capitaine d'équipe, il n'était pas capitaine de l'armée. Et il paraît qu'il était un grand footballeur et que les stades bruissent encore des rumeurs de ses performances. Mais ce monsieur a été parmi les Guinéens l'un des premiers qui ont estimé que dialoguer permet d'avancer, surtout avec l'adversaire. Je me souviens de mon retour en Guinée dans les années 93. Le premier dîner que j'ai eu avec le directeur de l'USAID à l'époque, c'était avec vous. Et ce jour-là, vous m'avez demandé, bon, en dehors de la démocratisation, qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège dans notre pays aujourd'hui? C'est le fait de ne pas se parler. Tous les gens qui veulent être au pouvoir n'ont pas un lieu où ils se rencontrent pour parler ensemble. J'insiste sur ces deux personnalités-là que je connais, c'est vrai, plus que les deux autres qui m'en excusent, pour vous dire que le panel a été bien choisi et que pour ma part, je suis déjà heureux que Mme Baranga puisse revenir sur sa terre guinéenne et je sais qu'elle connaît nos difficultés. Je sais aussi que pendant son séjour ici, encore une fois, elle aura le temps de dire à chacun ce que l'autre pense de bien, à chacun ce que l'autre n'a pas compris qu'il faut lui expliquer. Elle ne transmet jamais ce qui allume le feu, elle transmet ce qui apaise les esprits et ce qui permet aux liens de se construire. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le ministre d'État. Avant d'introduire plus en avant le panel, qui dit culture, qui dit tradition, dit conteur et cora. Et nous avons donc une petite introduction guinéenne en musique. Thank you.
J'ai demandé à ma mémoire un bol de miel, mais elle m'a servi une calebasse de larmes, de chaudes larmes qui sourdent les yeux lorsque le cœur est gros d'émotion, quand l'esprit chevauche dans le passé sans trouver de consolation. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Écoutez. Écoutez en ce jour mémorable la voix du Djeli, mémoire des hommes. Écoutez ma voix car nous sommes des sacs à paroles, des secrets, des gardiens des secrets plusieurs fois séculaires. Écoutez ma voix, car lorsqu'une querelle éclate entre les tribus, ce sont les djeli qui règlent l'affaire. Bembaliso, bembaliso, lenini, bembaliso, bembaliso, lenini, bembaliso. Je vous demande d'applaudir le grand Lamine Diabaté, conteur, ils vont nous faire des petits intermèdes aussi à l'issue de cette table ronde. Un grand merci. La paix, ça passe aussi par les conteurs, par la musique. En des temps anciens, dans un empire lointain, il y avait un homme, Nasreddin Hoxha, un vieux. Un soir, les villageois, en rentrant chez eux, le voient à quatre pattes, dans la poussière, dans la rue. Ils accourent. Hoxha, que faites-vous à quatre pattes, dans la rue, dans la poussière? C'est un vieux notable. Il dit: j'ai perdu mon alliance en or. Alors tout le monde se met à chercher, s'accroupit, commence à fouiller dans le sable pour chercher l'alliance en or perdue par Hoxha. Au bout d'une demi-heure, il ne trouve rien. Et l'un d'entre eux demande: Hoxha, vous êtes sûr que vous avez perdu ça ici? Il dit: non, non, je l'ai perdu à la maison. Ils disent: mais alors pourquoi tu cherches ici? Il dit: parce qu'ici, il y a la lumière du réverbère. Alors, quelquefois, on cherche quelque chose, non pas où ça se trouve, mais là où on croit qu'il y a de la lumière. Il en va de même pour la recherche de nos solutions. Parfois, les ressources se trouvent en nous et chez nous et dans les communautés qui sont affectées par un problème. En Guinée, notamment, les cultures sont riches d'enseignements traditionnels et d'outils pour la paix. Et les Guinéens et les Guinéennes ont beaucoup contribué à résoudre des conflits en Guinée
et dans la région et dans le monde, sur la base de leur culture. Djibril Tamsirnian dit « Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé », n'est-ce pas ? Lors de la présentation hier de l'ouvrage promotion Mao, Sansi Kaba, notre hôte, que je remercie, a dit « Ce qui n'est pas raconté est oublié ». Sous le fromager, c'est un espace que nous avons voulu, avec le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Dr Vincent Martin, qui est ici au premier rang, afin que les Guinéens et les Guinéennes parlent de leur culture, parlent de la paix, parlent de tout sujet qui leur tient à cœur dans le domaine de la culture, de la politique, de la société. Une première table ronde s'est tenue hier sur la diplomatie. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir, pour notre table ronde sur les approches traditionnelles de résolution de conflits, le ministre Lamine Kapi Camara, qui a été célébré dans le cadre des 72 heures. Hier, on a montré en avant-première un film sur sa vie. Et il est l'auteur d'un livre à paraître cette semaine, « Ethnie, parti politique et cohésion nationale », que je vous demande d'aller vous procurer dès que cela va paraître dans les prochains jours. Je voudrais présenter aussi l'ambassadrice Medina Ouessé, qui est la secrétaire générale de la Mano River Union et qui nous rejoint en ligne. Elle devait être ici, elle n'a pas pu faire le voyage, mais elle tenait absolument à être parmi nous. Et donc, elle nous écoute et interviendra en ligne avec nous. Bon, maintenant, c'est très difficile pour moi de présenter Madame Baranga Gassaraboué, surtout que le ministre d'État l'a déjà présentée et tout le monde la connaît ici. Je vais simplement rappeler qu'à l'heure actuelle, elle est représentante spéciale adjointe du secrétaire général et coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Mali. Je présente également Adja Fatou Kouyaté, membre du réseau des communicateurs traditionnels et présidente des femmes griottes de la République guinéenne. Merci Adja. Et une autre personne difficile à présenter parce qu'on ne peut résumer son parcours en quelques mots, mais je vais me contenter aujourd'hui de dire qu'il est psychologue, qu'il a travaillé avec l'ethnopsychiatre Toby Nathan, qui a lui-même été conseiller culturel ici en Guinée il y a longtemps. Et donc c'est le professeur Alassane Chérif qui a écrit de nombreuses études sur la résolution des conflits basée sur les cultures guinéennes. Et je lui donne tout de suite la parole pour commencer la première intervention de cette table ronde. Chaque interlocuteur va parler entre 5 et 10 minutes et nous aurons ensuite un échange avec vous. Donc, Alassane, mon cher ami, il est mon voisin à Paris aussi, hein, donc on peut montrer un peu de familiarité. Il va nous parler des mécanismes traditionnels de la prévention des conflits en Guinée. Je crois que tu as un micro là. Merci. Oui, merci Cynthia de m'avoir invité. Mais messieurs les ministres d'État, je pense qu'on en a deux. Ce soir dans la salle, on a de la chance. Messieurs les représentants diplomatiques, Madame Makalé Traoré, qui est aussi une amie, Sansi Kaba, je ne t'oublie pas, chers invités. Vous savez, moi, quand je suis arrivé en Guinée, c'était en 2013, j'avais fait beaucoup d'années en France, comme on disait Cynthia, je me suis toujours demandé comment se fait-il que l'on fasse venir des gens d'ailleurs, pour régler nos propres problèmes, nos propres conflits, alors que nos ancêtres nous ont laissé beaucoup de pactes et d'alliances de non-agression et même de résolution des conflits. Je me souviens, monsieur le ministre d'État, lorsque le président de la République a ici initié la prévention des conflits, le CPRN. Alors,
comité de prévention des réconciliations nationales. D'ailleurs, il y a certains qui sont dans cette salle avec qui nous étions. Vous m'avez dit, ah, vous devriez y aller, vous avez votre place là-dedans. Ça, je me souviens de ça. Quand on fait du bien, on oublie. Mais la personne à laquelle on a fait ce bien n'oublie pas. Et je tenais à vous remercier de cela. Et donc, ça se trouvait que j'avais écrit ce livre-là. Sansi, tu vas voir ce qui va se passer avec ce livre, qui s'appelle « La parenté à plaisanterie, le Sanakuya ». Et c'est un système de résolution des conflits, et même de prévention des conflits. Donc, j'ai écrit ce livre. Il se trouvait juste au bon moment, au même moment, mon seigneur Vincent Koulibaly avait lu le livre. Il m'a téléphoné. Il m'a dit que ce serait très bien que vous veniez aussi. J'ai dit ça tombe bien parce qu'il y a monsieur le ministre qui m'en a parlé aussi. Donc, voilà. Je pense que ce que moi j'ai écrit, et grâce à ce livre, j'ai fait aussi une intervention à Abidjan, où à l'université Oufer-Boigny pour la paix, on a lu ce livre et on m'a invité. On m'a invité justement pour parler. Voilà. On m'a dit de rentrer tout de suite dans le sujet. Alors, effectivement, je suis allé à Abidjan grâce à ce livre. Voilà ce que je dis. À travers ça, j'ai écrit « Mécanisme traditionnel de prévention des conflits ». Alors, voilà ce que j'ai écrit. J'ai dit que chaque époque, chaque temps, véhicule son lot de particularités. Nous voici donc au cœur de l'action pour dérouler la substance des problèmes qui étouffe notre pays et je dirais même notre continent. Chaque problème particulier nécessite un traitement particulier. Ces problèmes dans la tourmente politique actuelle qui ont souvent abouti à des mésententes, à des manifestations avec leurs impacts diversement ressentis au niveau des populations, mettant en permanence en danger la cohésion sociale et la paix, exige un rappel des mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits. Ceci m'amène à préciser qu'en Guinée, deux facteurs ont toujours prévalu à la résolution de toutes mésententes, de tout conflit et de tout problème. Il s'agit de la négociation et de la médiation. Ces deux facteurs ont constitué des éléments fondateurs en Guinée au niveau de toutes les couches politiques, sociales et religieuses. Un troisième facteur, constitué de pactes de non-agression, sera consacré à la prévention des conflits. À ce sujet, et à titre de bonne gouvernance dans l'histoire de la Guinée, citons deux règnes importants ayant œuvré dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Il s'agit du règne de Sundiata Keïta, fondateur de la charte de Kokampoua, consacré en 1235, et de celui de l'État théocratique du Futaie Jallon. Ces deux règnes furent à l'origine de plusieurs pactes de bon voisinage, de paix et de prévention des conflits. Que je m'en vais vous citer. Petit A, le pacte entre agriculteurs et éleveurs à Koumbia, c'est à Gawal. Petit B, le pacte de bon voisinage et d'amitié entre les communautés Peul et Baga de Conakry. Petit C, le pacte de lien de mariage entre Soussou et Peul d'une part et entre Peul et Malinké d'autre part. Signalons que avant, les ethnies ne se mariaient qu'entre elles. Je pense que grâce à tous ces pactes, on a pu s'ouvrir à d'autres. N'oublions pas que le mariage peut s'appeler aussi alliance. Parce que quand deux familles marient leurs enfants, ces deux familles deviennent solidaires, deviennent des alliés. D'ailleurs, il y a
il y a un système de parenté qui les lie, qui s'appelle la parenté affine. Ce sont les recherches anthropologiques qui m'ont permis d'y arriver. Alors, on en était au pacte de bon vaginal, pacte de lien de mariage. Il y a l'alliance aussi entre le Mandeng et le Fouta qui fut signée après la bataille de Talansan Kebali, non loin de Dalaba, en 1727. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que c'est très long. Je vais avancer sur les autres. Mais cette alliance-là, c'était simplement, a été signée après une guerre de croisade de religion entre des peuples qui ont été reçus en Guinée au Fouta-Djalon, qu'on appelait le Djalon. Les Djalonkés étaient là-bas, c'est-à-dire Soussou, Malinké, Baga. Ils étaient tous là-bas. Ils ont accueilli les peuples. Il y a eu une guerre de religion parce que les peuples qui sont venus avec leur religion musulmane se sont aperçus qu'eux n'étaient pas, ceux qui les ont accueillis n'étaient pas des musulmans. Donc il y a eu une guerre, ils ont gagné la guerre. C'est ainsi qu'on a retrouvé beaucoup de Djalonkés au niveau de la basse côte et de la basse Guinée. Après l'alliance, là, il y a d'autres pactes de non-agression qui furent signés avec les pays limitrophes, même avec les pays limitrophes étrangers en Guinée, tels que le pacte d'Mbema entre les populations Kissi, riveraines du fleuve Makona, vivant à Guéké, avec celles du Libéria et de la Sierra Leone. Et il y a eu le pacte également entre Manon de Guinée et ceux du Libéria. Enfin, le pacte de la parenté à plaisanterie. Vous voyez, c'est le livre que j'ai écrit. Sansi, tout à l'heure, on va le vendre, tu vas voir. On aura beaucoup d'argent. Et le pacte de la parenté à plaisanterie, je pense qu'il y avait le professeur Tamsir Nian qui avait travaillé, mais moi, j'étais en France, je n'étais pas trop au courant. Mais en tout cas, j'avais cette idée-là parce que je pensais que c'était un outil qui pouvait nous permettre de nous réconcilier et aussi de prévenir les guerres. Alors, le pacte de la parenté à plaisanterie, le Sanakuya, est basé sur le principe de la parenté à plaisanterie entre certains patronymes. Il y a, par exemple, chez les Soussou, monsieur le ministre d'État est ici, il est Bangoura. Il sait que c'est Sanaku, ce sont les Souma ou les Keta chez les Malinké, ou même les Bari s'il va au Fouta. Alors, donc chez les Malinké, il y a les Traoré, Madame Traoré, avec les Condé, il y a les Sissé et les Keta. Chez les Peul, il y a les Diallo et les Ba, il y a les Bari et les Sceaux. Et alors, ce pacte renferme d'autres pactes. Nous avons premièrement le pacte de non-agression entre Sanaku. Il est interdit de verser le sang de son Sanaku. Vous savez que, alors, dans ce que je disais, je reviens pour vous dire que même au niveau des ethnies, ce que j'allais oublier, il y a le Sanakuya. Il y a les Peuls et les Djaranqués. Il y a les Peuls et les Malinqués. Figurez-vous que les Peuls et les Malinqués sont des Sanaku. Ils ne doivent pas se faire la guerre. Ce n'est pas ça qu'on assiste actuellement. Bon, ça, c'est une autre dimension. Alors, ce pacte renferme d'autres tels que, comme je venais de dire, le pacte de non-agression entre Sanaku, la protection mutuelle entre Sanaku, c'est-à-dire, vous voyez, un Sanaku, monsieur le Premier ministre, ou monsieur Kaba, il voit un Keta, parce que ce sont ces Sanaku, en difficulté, il se doit de lui venir en aide. Et ce qu'il doit encore faire, c'est que s'il trouve un Keta en train de se battre avec un autre, quel que soit le nom, il doit, dès qu'il dit à Keta, arrête, tu arrêtes tout de suite. Le pacte veut que la bagarre s'arrête. Et il peut même être le médiateur entre son Sanaku et l'autre qui se bat pour
finir la guerre. Alors, pour en finir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les recommandations que moi je vois, engageons donc très vite négociations, médiations et pactes dont on a parlé et réglons nos problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissons personne régler nos problèmes à notre place. Utilisons nos propres terreaux culturels, traditions, traditionnelles à cet effet. Je vous remercie. En tout cas, je me dispose à vos questions. Alors, Sanchez dans la salle. Je vais le montrer. Un grand merci, professeur. Je veux qu'on zoome sur ça. Donc, la parenté à plaisanterie, le Sanakuya, un atout pour le dialogue et la cohésion sociale en Guinée. Et donc, je vous recommande d'acheter et de lire le livre du professeur. Alors, je vais vous faire aussi une proposition. Achetez-le et je vous offrirai gratuitement la dédicace. Alors, est-ce que ce sens du commerce, il est valable dans toutes les cultures de la Guinée? Ça sera l'objet d'un autre débat. Merci en tout cas de nous avoir rappelé l'histoire des pactes qui est très importante pour comprendre comment trouver des ressources dans la culture guinéenne pour la paix. Je vais maintenant accueillir l'ambassadrice Medina Wesse. Can you hear us, Excellency? Donc, l'ambassadrice Medina Wesse, qui est la secrétaire générale de la Mano River Union, c'est l'union des pays de la rivière Mano, et c'est une incroyable aventure de femmes qui ont contribué à créer la paix dans la sous-région. Et l'ambassadrice va nous retracer cette histoire. You have the floor, Excellency. Thank you very much. Bonjour à tous. I would allow me to speak in English. I have submitted the paper of the brief points I would like to make to this conference. Let me thank the Honorable Minister, Excellency the Minister, all the panelists, distinguished panelists, Madame Mbaranga, our sister, who has spent many years in search of peace, not only on the continent, but in particular in our sub-region. To the distinguished authors and experienced panelists whose lives they're going to share their experience with us today, I just want to say we are very pleased to join you all. If you allow me, Excellency, I will briefly summarize after each paragraph. Donc, l'ambassadrice remercie le ministre d'État, le panel, les organisateurs, et elle est très heureuse d'être parmi nous. Je vais résumer après chaque paragraphe rapidement en français. Thank you very much again. I know that with translation, it will be difficult, so I have given the paper. But I've listened to, with the help of translation, I've listened to some of the meetings of yesterday and today. And I like very much the effort of the UN Resident Coordinator's Office to examine ways, as one of the writers have said in the book, that we can look at the future if we properly examine our past. So in the past, women have contributed significantly to the peace process in many ordinary ways. They look ordinary, but in the end, with persistence and determination, we have been able to stop many wars. Les femmes ont grandement contribué par le passé, par des méthodes
ordinaire et extraordinaire à résoudre de nombreux conflits dans la région, dans la sous-région. L'ambassadrice nous a envoyé aussi le texte en anglais qu'on va tout de suite mettre sur le site de l'Harmattan où on peut suivre tous les débats. Donc ceux qui souhaitent aussi le lire après en anglais auront accès et on pourra fournir une traduction pour ceux qui le souhaitent. Please go on, Excellency. Yes, and we're very pleased to share in this forum that in all of the years of conflict, the people of Guinea have been able to preserve, to help the sub-region preserve the holistic nature of the state. And in spite of the many years of civil wars that Côte d'Ivoire, Sierra Leone, and Liberia went through, Guinea was that bulwark. And so we should be grateful that the traditions, the pride, the history of the people of Guinea have helped us all in the sub-region to learn how to live with each other. And as the immediate past speaker said, there are several traditional non-aggressive pacts between peoples along the border areas. The pact along the Moa-Makona River among the Kisi-speaking people between Liberia, Guinea, and Sierra Leone is a case in point that we can learn from. Durant les nombreuses années de guerre dans la sous-région, des guerres dans tous les pays voisins, la Guinée a été la pierre angulaire de la stabilité. C'est le seul pays qui a maintenu la paix, qui, par sa culture de tradition de paix et de résolution des conflits, a non seulement maintenu la paix en Guinée, mais a contribué à fournir des solutions aux pays voisins pour la paix dans la sous-région. Et l'ambassadrice fait notamment référence aux nombreux pactes que le professeur Alassane vient de rappeler, qui s'étendent aussi par-delà les frontières. Let me summarize again by just saying that using what we call track two diplomacy, women, in particular the Mana River Women's Peace Network, were able to organize, to assemble, to hold peace conferences, to march, to protest, to demonstrate their resolve that peace must be returned. And over the last 21 years, we've been able to appreciate this organization in the sub-region. And we hope that with time we can learn from the experiences that the various chapters in each country have been able to establish to share their experience. Let me once again thank you all, and I would be listening and I would be in attendance and come back to interact with the panel. Thank you. Et tout au long de ces années, ce sont les femmes des quatre pays de la sous-région qui ont rappelé l'importance de la paix, qui ont manifesté, qui ont pris des risques, qui ont agi à un niveau intermédiaire qu'on appelle track two, c'est-à-dire entre les dirigeants et les communautés, qui ont agi à ce niveau-là pour forcer les dirigeants à faire la paix, pour faire connaître les valeurs de paix. Donc ce sont les femmes de la région qui ont porté ces messages et contribué à faire la paix. Je suis vraiment désolée parce que l'ambassadrice a une mine de connaissances et ce n'est pas lui rendre justice, mais au moins maintenant vous l'avez entendu, elle se tient à votre disposition pour les questions et on va essayer une autre fois de la faire venir en personne, voire de lui rendre visite pour apprendre à ses côtés. Thank you, Excellency, and please stay with us. We might have questions for you later on. Yes, thank you. Et maintenant, je vais passer la parole à Mbaranga Gassarabwe, donc qui a été longuement présentée. Elle va nous parler, elle également,
d'approches traditionnelles qui ont été utilisées au Rwanda et au Mali à la recherche de la paix. Merci beaucoup, très cher Mbaranga, et merci beaucoup d'être venu parmi nous. Je sais que dès qu'on lui dit « il y a quelque chose en Guinée », elle va répondre et elle va venir, donc un grand merci. Merci beaucoup, Roa. La Guinée, c'est ma seconde patrie. Et le Mali, c'est ma seconde patrie. C'est deux poumons dans un même corps, c'est ce que j'ai appris. Donc, merci beaucoup. Alors, avant de commencer, comme je suis ici, je vois beaucoup de personnalités, même si ce sont parce que je les ai reconnues, et je dois rendre hommage à ce pays. Mais le travail qui m'a été facilité, je crois que le ministre d'État vient de le dire, sans vous, monsieur Kiridi, je n'aurais jamais connu la sociologie du Mali, plutôt de la Guinée. Je n'aurais jamais connu les complexités qu'il y avait à cette époque. Et c'était l'époque 2005-2009. Les Guinéens connaissent bien les problèmes que vous avez connus à cette époque. Tout le monde observait la Guinée. Et je dois reconnaître aussi que dans le rôle des femmes, dans la complicité des femmes, il y a eu un travail remarquable qui travaille dans l'ombre, dans la discrétion. C'est Madame Bangoura ici qui est présente. Je te rends hommage. Je te rends hommage. Madame Bangoura, c'est la deuxième ambassadeur de Guinée aux Nations Unies après Madame Cissé, que tout le monde sait que c'est l'icône de la diplomatie guinéenne. Donc une femme qui était dans la diplomatie et qui était vraiment connaissait les Nations Unies, mais connaissait la sociologie guinéenne, m'a beaucoup aidée parce que j'ai compris beaucoup d'affinités. Mais les femmes sont la clé de voûte vraiment de la paix. Et je vais en parler tout à l'heure au niveau de la communauté, ce que ça représente. Quand on rend hommage à la femme, ce n'est pas vraiment du slogan. C'est la discrétion, c'est le travail d'efficacité et c'est de prendre des risques parfois. Je ne dirai pas les risques qu'on a pris à cette époque-là, mais c'est quand même, ça mérite vraiment d'être raconté peut-être dans un livre ou ailleurs, comme je suis dans 72 heures du livre. C'est toute l'expérience qui peut inspirer beaucoup de pays. Dans la diversité, ce que j'ai appris de mes 30 ans d'expérience aux Nations Unies, parce que je viens de faire 30 ans, c'est tout le parcours qui m'a amené. Je suis économiste de formation, mais j'ai été confronté à des pays où j'ai connu des périodes différentes de crise et de résolution des conflits. Et mon premier expertise, c'était quand j'étais au Bénin, il n'y avait pas vraiment de crise là-bas. Mais quand je suis allé à Djibouti, c'était déjà les deux années 2000, où de l'autre côté, il y avait le Yémen, et on commençait à dire Ben Yedden. Et de l'autre côté, c'est 18 km, on pouvait nager et même être là-bas. Et on disait, ce monsieur Ben Yedden, il est de l'autre côté, on ne le connaissait pas. Et quelques mois après, on voit débarquer le ministre d'État de la Défense des États-Unis, et qui venait, parce qu'il y avait la grande base militaire française, et lui, il venait justement pour établir la base militaire américaine à Djibouti. C'était le commencement de toutes les bases qui se sont maintenant. Aujourd'hui, si vous allez dans la côte, justement, c'était le Moyen-Orient et vraiment l'Afrique à la côte de Round of Africa. Et on a connu ce sentiment de ce qu'on ne disait pas, le terrorisme. On ne sentait pas ce que c'était le terrorisme. Mais on a vu tous les mécanismes-là. Et quelques années après, j'ai eu la chance de venir en Guinée. Et voilà la Guinée aussi, 2005, 2007, éclate certains conflits. Et de là, avec tout ce qu'on a connu, avec les disques, on m'appelle aux Nations Unies, il dit, mais ce que madame vient de dire, Mano Riva, c'était la crise en Sierra Leone, c'était la crise au Libéria et en Côte d'Ivoire, et c'est la Guinée qui tenait la stabilité. À ce moment-là, j'étais coordinateur des Nations Unies, coordinateur humanitaire, mais j'avais 200 000 personnes en Zérékolé pour les réfugiés qui étaient là. La Guinée mérite, c'était le cœur vraiment d'accueil. Et là, c'était extraordinaire ce qu'on a vécu. Et quand je suis parti, on m'appelle, le secrétaire m'a dit, mais tu dois venir pour me gérer la sécurité globale des Nations Unies parce que nous avons tellement de conflits et toi, tu as démontré certain courage, là, je passe sur là. Mais parce qu'on avait un mauvais système de sécurité aux Nations Unies. On faisait ce qu'on appelait les phases de sécurité 1, 2, 3. Et quand elle vient à 4, les Nations Unies fermaient les bureaux et partaient. Et ça s'est arrivé dans mon pays, le Rwanda, en 1994. On a quitté, les Nations Unies sont parties. Et les gens sont restés seuls, ils ont été abattus. Et ce moment-là, j'ai fermé mon téléphone, j'ai dit aux Nations Unies, je refuse de partir. On ne peut pas laisser la Guinée dans cette circonstance. Je les ai confrontés comme ça. Et ironie d'histoire, c'est qu'on m'appelle après pour me dire, Madame Baranga, venez pour l'interview, tu vas gérer la sécurité globale. Je dis non,
Je suis la personne la mieux, la moins placée, parce que j'ai dit non à vos systèmes de sécurité qui ne marchent pas. J'ai eu ce courage de le dire. Ça ne marche pas, vous ne pouvez pas. Le pays vulnérable, le pays est au bord de la crise et vous dites fermer les bureaux. Donc c'est comme ça que j'ai été pris dans ces fonctions et on a changé vraiment le système. Aujourd'hui, on peut rester. Et le premier test que j'ai eu, et on va parler des zones de conflit, c'est quand on a été confié à la Syrie. Je venais d'être nommé et on est confronté à l'Aleppo. Qui connaît la Syrie? C'était la crise extraordinaire. C'était un pays où on allait visiter, le Moyen-Orient était tranquille. Paf! Aleppo, c'était des gens qui étaient pris dans un engrenage extraordinaire. Il fallait les enlever. Et si c'était des phases de sécurité, on aurait fermé. On aurait pu partir, on aurait laissé les gens mourir. On a dit non. Avec les méthodes de sécurité, il y a moyen de les retirer, de négocier avec les rebelles, avec l'ennemi, et de pouvoir les retirer. C'était le premier succès. Et bientôt après, j'ai eu le temps d'aller en Afghanistan, en Irak. J'étais en Iran où on avait dit qu'il y avait la bombe là qui va éclater et les Nations Unies sont là. On a négocié. Mais tout ça, pourquoi je vous dis ça? Les crises alors en Afrique, je ne vous parle pas. C'est parce que j'ai vu que les crises autour du dialogue, tout se résout autour de la table, qu'on le veuille ou non. C'est autour du dialogue, autour de la médiation et dans quels moyens, peut-être en utilisant des moyens endogènes, en utilisant d'autres moyens. Mais je pense que l'étranger, ce n'est pas la personne qui viendra résoudre les problèmes. Mais l'ironie du sort a fait que, quand j'ai fait cette expérience 5 ans après, c'est le pays que j'ai laissé, la Guinée. Quand je quittais, on m'a dit, ça ne fait pas beaucoup aux Nations Unies, qu'on dit, quel pays tu voudrais aller? Je dis, mais je ne vais pas loin. Je viens au Mali. Le Mali, c'est un pays tranquille. On a beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de projets. C'est un pays de diversité culturelle extraordinaire. Je vais découvrir ce pays. Et je ferai de ces deux poumons un seul poumon. Et le Mali, je quitte en 2011. Je vais aux Nations Unies. Et je vois les rapports qui disent 2012, un coup d'État militaire. Et je n'en reviens pas. 2013, les djihadistes débarquent à Tombouctou, à Gao. On viole les femmes. On fait des atrocités extraordinaires. Et ça rappelait quoi? Ce que j'avais vu aussi dans les Balkans que je venais de visiter, les Balkans avec Srebrenica, avec le génocide qui occurrait. Et c'était la même période, 94-95, où il y avait le génocide chez moi. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? C'est, et je parle du Rwanda spécifiquement, vous allez comprendre à travers le Rwanda ce que peut-être on peut faire ailleurs. Et je dis toujours quand même, avant de parler de ce cas du Rwanda, c'est que quand tu déchires un tissu, et je continue à le dire, c'est déchiré. On va faire des nœuds, et quand tu t'assois, ces nœuds peuvent se détendre encore. Il faut encore recoudre. Donc ça ne sera plus le même tissu qui s'est battu. Je l'ai compris pourquoi. C'est que la reconstruction, pour que ces nœuds ne se détendent pas, c'est le dialogue, c'est la médiation. Et par tous les moyens possibles. Le Rwanda 94 éclate. Le génocide est là. On vient de vouloir exterminer toute une ethnie. On a une seule religion, on a une langue commune, on est un seul peuple. Et on se demande comment ça a pu arriver. Que, si je compare la diversité culturelle guinéenne ou malienne, je dirais qu'il y a tellement d'ethnies, tu venais de le dire. Mais là, on n'avait qu'un seul peuple qui parle la même langue, la même religion, tout nous unit. Mais qui nous a divisés? Comment nous avons pu en arriver là pour s'entretuer, en tuer la femme là, vraiment là, déchirer la femme, en prendre l'enfant, le tuer? Des atrocités qu'on ne peut pas raconter. Et on se disait, mais après, quand il y a eu ce massacre, mais après, il fallait quand même qu'il y ait la paix, il y ait le dialogue. Et je passe au niveau de ce qui est arrivé, ce n'est pas mon sujet, mais le sujet c'est de dire qu'est-ce qui a fait après coup. Ce qui s'est fait après coup, c'est que les gens se sont retrouvés. On était dispersés à travers le monde. Le ministre qui connaît bien mon histoire, je racontais beaucoup, j'étais zaïroise, on était les autres en Ouganda, on était les autres un peu partout, il y avait qui étaient dans le pays. Mais la reconstruction du pays a voulu qu'on se retrouve encore autour de cette langue, de cette religion qui nous unit. Et en même temps, de ces cultures, on est allé fonder dans la culture. Alors là, je vais appeler ce qu'on appelle chez nous Inyangamugayo. Inyangamugayo, c'était de détecter dans la société, vous venez de le dire, les personnes qui sont vraiment
qu'on peut dire qu'ils sont sans défaut. Des gens qui sont courageux, des gens qui peuvent dire la vérité, des gens qui ne sont pas là pour jouer au jeu. On les a détectés. On les a mis ensemble, ils ont créé une commission d'unité et de réconciliation. Cette commission a identifié des méthodes culturelles creusées d'antan qui vont nous unir encore dans cette langue. Ils ont commencé à parler de agaciro, la dignité. Parce que dans l'époque ancienne, c'était la dignité qui caractérisait la personne pour se mettre dans la classe de la noblesse ou bien même dans la classe, parce qu'il y avait des classes sociales. Mais tu te retrouvais dans ta classe, il n'y avait pas de division. Après, ils sont allés trouver le mot imihigo. Imihigo, c'était de dire, quand on va être digne, il faut se relever des défis. Et ces défis, il faut les relever. Imihigo. Et après, c'est vraiment des outils de gouvernance de base. Après, ils ont dit, si nous voulons nous unir maintenant, nous avons défini notre vision de notre creuset social, culturel, il faut maintenant qu'on trouve une commission de ces gens-là qui vont creuser davantage comment confronter tous ces millions de personnes qui ont tué, parce que tout le monde a tué, le voisin, etc. La justice occidentale ne marchait pas, parce qu'on ne pouvait pas mettre ces millions de personnes dans les prisons. Ça a commencé comme ça, parce qu'il y a eu une mission de peacekeeping qui est venue, mais les Rwandais ne se sont pas retrouvés dans ce peacekeeping. Parce que c'était des méthodes là qui ne correspondaient pas du tout aux valeurs creusées qu'ils voulaient voir. D'ailleurs, si vous voyez bien, la mission n'a pas duré longtemps, ils étaient partis. Les ONG qui faisaient trop de bruit pour amener des méthodes qui ne marchaient pas avec là. Les gens, chez nous aussi, c'est des guerriers. Ils ont dit « out, out ». Et il y avait des milliers de personnes qui avaient fui de l'autre côté. Il fallait les ramener pour dire « creusons, on le fera ensemble ». C'est là qu'on a pris Agachacha. Agachacha, chez nous, ça veut dire quoi? Quand vous venez de dire « sur le baoba » ou « sous le fromager », chez nous, c'était que nous avons 1000 collines. Les 1000 collines, c'est des villages, c'est des petits villages comme ça, c'est des collines. Et donc, les gens, quand ils ont cultivé, quand ils ont fait leur travail, ils se retrouvent comme ça au flanc de la colline, sur l'herbe bien coupée. Ils commencent à causer. Les hommes vont faire un peu leur jeu. Les femmes vont se tresser les cheveux. Les enfants vont courir. Donc, c'était le vivre ensemble. Ils ont dit, si nous utilisons ça, nous retrouvons les mêmes personnes dans les villages pour se parler. Il faut qu'on trouve ça. Donc, il y avait des gens, des Inyangamugayo, là, des personnes dignes qui étaient choisies dans la réconciliation, dans la commission de réconciliation vérité et réconciliation, qui étaient là vraiment dispersés dans les villages. Et c'est comme ça qu'Agachacha a commencé. J'ai vu, je disais hier, d'ailleurs, ça m'a permis de lire, beaucoup de gens qui ont critiqué Agachacha. Mais nous, on sait que rien n'était pas parfait, mais ça agit. Parce que les gens, qu'est-ce qu'on voulait? Que les gens se retrouvent ensemble. Et j'ai dit, Monsieur Bangoura, j'ai tué ton papa. J'ai tué tes parents. Et tu te courbes par terre, je me courbe par terre et je demande pardon. Et ça a marché. J'ai une amie personnelle qui m'a dit, il avait donné beaucoup d'argent pour trouver la personne qui a tué ses parents. Et elle est arrivée, parce que la personne a dit, j'ai trouvé des personnes, des criminels. Elle est arrivée au village, elle a retrouvé ce gachachara, parce que c'était vraiment la cour hein, de la base là. Et elle était là, à l'écart, et il y a une personne qui l'a vue, elle est venue, elle est tombée, elle a pleuré, elle est tombée sur terre, elle a pleuré, pleuré, et l'autre lui dit, mais il a reconnu le petit garçon, il avait peut-être 20 ans, il a dit, c'est moi qui ai tué tes parents. Et la dame a dit, mais moi, j'avais payé de l'argent pour qu'on retrouve la personne et comment je vais l'égorger. Il a dit, tout d'un coup, j'ai regardé, mes souvenirs sont tirés de ce garçon qui était l'enfant de la personne qui travaillait chez nous, et on a grandi ensemble, et je l'ai pris dans mes bras, on a pleuré ensemble, et je l'ai embrassé. Et comme si c'est la haine qui était en moi, est tombée, et on a refait le vivre ensemble, le pardon. Mais oser dire, j'ai fait du mal, et je demande pardon. Et avec sincérité. Donc, Agachacha a permis que, de tous ces cours-là qui étaient vraiment préliminaires, puissent arriver avec toutes ces méthodes dont j'ai parlé, monter jusqu'à 4 juridictions,
qui ont pu justement être établis jusqu'à avoir maintenant la cour qui punit les génocidaires. Maintenant, après, il y a eu le tribunal international, le tribunal du Rwanda, et puis il y a eu aussi d'autres juridictions. Les pays où les génocidaires ont fui, ils ont mis un peu de ramener ou bien être jugés où ils sont. Donc, je n'entre vraiment pas dans ce qui s'est passé, mais j'entre dans ces méthodes-là. Les Rwandais se sont retrouvés dans leurs méthodes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? C'est que dans la construction de réconciliation vérité et réconciliation unité, c'était aussi de construire l'économique. Parce que la paix ne se mange pas. Les slogans de la paix, de parler dans les forats, ça ne se mange pas. Chacun veut retrouver qu'il est. Est-ce que je suis chez moi ? Est-ce que j'ai à manger ? Est-ce que j'ai à boire ? Est-ce que j'envoie mon enfant à l'école ? Est-ce que je suis soigné ? Est-ce que j'ai un petit toit ? Alors l'économique a été la base. Donc l'autonomisation économique et la paix. Mes chers amis, ce que tu viens de décrire ici, sur la reconstruction économique et la consolidation de l'économie de l'Afrique, va aller de pair avec la paix. Parce que j'ai vu le Mali qui était stable. J'ai quitté ce Mali et j'ai vu le Mali et je n'en revenais pas que 2013, je suis là, autour du secrétaire général, et on parle de peacekeeping au Mali. Tout sauf ça. Et c'est ça où je rends hommage à la Guinée. Tout sauf ça. Vous avez su résoudre vos conflits en disant tout sauf la mission de maintien de la paix. Au Mali, je conclue par ça, un milliard de dollars sur 36 contingents qui viennent d'un peu partout pour stabiliser le Mali. Mais où est-ce qu'on en est 7 ans après? On continue à stabiliser. MONUSCO, au Congo, on a fait combien d'années? On continue à stabiliser. Est-ce que les peuples se mettent ensemble autour de la table en disant « Oui, merci beaucoup, peacekeeping, mais permettez-nous de nous retrouver entre nous. » C'est ça, en fait, le danger qui nous guette. Parce que demain, après demain, un pays stable peut se retrouver. Donc, puisons dans nos valeurs, dans nos traditions, nous y trouverons la réponse. Merci, j'attendrai vos réponses. Un grand merci, Mbaranga. Je retiens 3 choses. L'une, c'est Nelson Mandela qui l'a dit, on fait la paix avec ses ennemis, pas avec ses amis. Donc, le dialogue. La deuxième chose, c'est la prévention. N'attendons pas ces missions très coûteuses en vie d'homme et en argent pour faire la paix. Et puis aussi, on ne mange pas la paix, de penser aussi à la reconstruction économique. Un grand merci. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de questions à lui poser. Mais je vais tout de suite revenir en Guinée avec Hadja Fatou Kouyaté, qui va nous parler du rôle des griots et des griottes dans la société guinéenne. Hadja, vous avez la parole. Merci. Solio ye sila manyalana ae dominale yedo sidi yedo bila mogoti jube fala komadi dankadena. Mesdames et messieurs, les invités, sous le fromager, les Guélis sont des dépositaires de l'histoire orale des peuples d'Afrique de l'Ouest. Avec leur persévérance, ils se sont imposés comme conseil incontournable des chefs. Je commence mon intervention par un petit rappel historique. Nos ancêtres Guélis d'alors, Koumanya, Nyankoumandoua, père de Gisriman Kouyaté, Gisriman, père de Bala Fasake Kouyaté, fut le dernier griot du dernier roi Mandeng, Mahan Soundiata Keïta. Vu la confiance entre les deux hommes, Mahan Soundiata raconta son projet de constitution de 44 articles à son griot pour avis. Ce dernier lui approcha très respectueusement et lui demanda l'annulation de son 44e article, qui, selon lui, pourrait avoir un impact sur la chefferie du roi.
Mansungiata accepta la proposition. Il est resté 43 articles. Les quatre modes d'entendement de Guéli sont le respect, la considération, le secret et la réflexion. Car, dit-on, un seul arbre ne peut pas faire une clôture. Dans l'histoire de Mandeng, les griots ont toujours été des réconciliateurs et des garants de la paix. À titre d'exemple, l'histoire retiendra que le différend entre le Mali et la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, a été résolu en Guinée ici par le griot Feu Sori Kanya Kouyaté, qui était à l'époque le griot du feu président Ahmed Seck Touré. Les griots sont aussi des initiateurs. Rappelons que l'hymne national de la Guinée fut initié par Feu Fodéba Keïta avant sa traduction, son interprétation par des griots comme Guéli Mamoudou Kandé, Guéli Sori Kouyaté, Sori Kanja Kouyaté. Aujourd'hui, le Guéli Tomba national suit les traces de ses ancêtres, l'association des Guéli. Après les élections présidentielles de 2010 en Guinée, le Guéli Tomba s'est fortement impliqué dans la résolution des crises post-électorales entre les partis politiques pour le maintien de la paix dans le pays. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons des Guéli paroliers, des paroliers Belentigui, détenteurs de Tamba dans tout le pays pour la prévention et la résolution des crises à tous les niveaux. Parmi ces Guéli, on peut citer Flani Sekou Kouyaté, Karamogo Adama Diabaté, Mfali Franwalia Kamisoko, Elaj Bili Nankuma Diabaté et tant d'autres. Les Guéli peuvent toujours jouer ce rôle. Il suffit de leur porter confiance et leur donner des moyens. Au nom des Guéli, je vous remercie, les Guéli. Vous l'avez compris, chacune des personnes... Merci, l'instrument secret des griottes, dit-elle. Vous avez compris sur cette estrade, chacune des personnes est une encyclopédie par ses connaissances et par sa vie. Et donc, on vous a donné un aperçu, mais je pense que vous avez envie de les rencontrer chacune et de leur poser d'autres questions à l'issue de cette table ronde et plus tard. Et un grand merci d'être avec nous. J'ai gardé pour la fin... C'est comme dans les grands repas, hein, chez nous, à la fin, c'est le dessert, c'est le plat le plus qu'on préfère. Donc j'ai gardé pour la fin l'intervention de Lamine Kapi Camara, le ministre, l'ancien prisonnier du camp Boiro et l'auteur de nombreux livres, parce que lui va nous donner aussi une note d'espoir et une note d'espoir pour l'avenir, parce qu'il va nous parler de comment trouver ce qui rassemble. Mon professeur et mon ami, je vous donne la parole. Bonjour. Ceux qui sont observateurs parmi vous ont dû remarquer que depuis le début de la séance, je regarde très peu à droite, bien que ce soit là-bas qu'il y ait des dames. C'est plutôt à gauche que je regarde ces jeunes gens qui sont assis, sans babette ni masque. Et il paraît que cette maladie, le Covid, cherche les personnes âgées.
Donc moi, depuis que ça a commencé, je suis reclus à la maison. Je ne sors pas. Et ceux qui me rendent visite, je les tiens à 5 mètres de distance au lieu de 2 mètres et demi. Maintenant, en venant ici, je suis venu avec la peur au ventre. Je me suis dit, en bon Guinéen, disciplinés comme nous sommes plus que tout le monde, ils vont être à un demi-mètre de distance. Et moi, où je me trouverai, peut-être que la tribune, on ne sera pas très nombreux et on sera dans les dispositions qui protègent. C'est une maladie qui ne respecte pas les vieux. J'espère qu'au sortir de cela, j'en sortirai indemne. Cela, il faut continuer à détendre l'atmosphère. Je pense que c'est un rappel important. Portez le masque. Je vois beaucoup de gens qui le portent sur le menton, sur l'oreille, sur le crâne. Non, le masque, ça se porte, ça couvre le nez et la bouche. Tout le monde est assez éduqué pour pouvoir faire ça. Nous avons tous parlé. Malgré le masque, vous pouvez tous le porter. Merci pour ce rappel, Monsieur le ministre. Portez le masque. Maintenant, j'ai remarqué aussi, depuis le début de la séance, que la salle est silencieuse. Ça signifie que le sujet est un sujet extrêmement sérieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans le rire, sans détendre l'atmosphère? Moi, pour commencer, je vais vous raconter une histoire authentique. Elle n'est pas inventée. Est lié au sujet. Quelles sont généralement les causes des conflits en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde? Il y a la terre. Vous avez pris une partie de ma terre. Les frontières ne sont pas bien placées. Il y a la conquête du pouvoir. Mais il y a beaucoup de causes pour les guerres. Mais il y a aussi les femmes. Elles peuvent provoquer la guerre. Je vais donc vous raconter une histoire, mais une histoire authentique. Dans le cadre de la résolution des conflits, et de manière traditionnelle, à Cancan, dans ma bonne ville, à 15 km de la ville, dans le village de Maconon, il y a eu un conflit. Dans les traditions de chez nous, quand une femme, une jeune fille est très jolie, elle n'est pas convoitée seulement par les habitants, les jeunes gens de son village, mais c'est tous les villages environnants. Et on a une tradition qui fait qu'une fois que cette jeune fille est fiancée, presque prête pour le mariage, il y a un autre garçon avec les jeunes gens de son village qui viennent et qui la prennent, on appelle cela Kamansamina. Ils l'enlèvent et ils l'amènent dans leur village. C'est ce qui a failli arriver à Maconon. Les jeunes gens du village de Béléman se sont levés, ils ont voulu enlever la plus belle fille de Maconon. Ils arrivent là, les jeunes gens de Maconon se défendent, et ça a tourné pratiquement à la guerre. Il y a eu des blessés, pas de morts heureusement, de sorte que le chef de canton, le Cancan traditionnel, c'est le pouvoir traditionnel parallèle au commandant blanc, a été alerté. Il est donc venu, avec toute sa garde rapprochée, pour venir juger sur place de la question. Arrivé là, il commence le jugement. On demande aux deux parties de s'expliquer. Mais au bon milieu de la plaidoirie, il demande, mais en fait, où se trouve la fille en question pour laquelle il y a tant de combats et tant de débats? On dit qu'elle est dans le grenier, là. On l'avait cachée dans un grenier. Le chef de canton dit, toujours de manière traditionnelle, Madame Cynthia, sortez-la. On l'a sortie. Elle est plus belle que toutes les femmes, que toutes les filles qui sont dans cette salle. Le chef de canton a tranché. Il a résolu le conflit en demandant à ses gardes de corps que le tribunal va continuer, mais en attendant de conduire la jeune fille chez lui, à Cancan, et que l'affaire est close là. Authentique, hein? Les personnages sont plus de ce monde,
Mais la fille issue de ce mariage est encore à Cancan et c'est elle qui m'a raconté l'histoire. En venant maintenant au conflit, dans nos traditions, pour résoudre un conflit, il faut connaître les causes. Il faut connaître la société. Et pour, si vous ne connaissez pas la société, vous ne connaissez pas sa culture, vous ne connaissez pas son histoire, c'est juste ses coutumes, vous ne pouvez pas résoudre un conflit. C'est ainsi que, dans nos sociétés, nous avons ce qu'on appelle l'assimilation. Dans une ville, vous savez, l'esclavage a existé en Guinée. On assimile les personnes qui n'étaient pas libres, et une fois qu'on les a assimilées, il y a un mot qu'on utilise en langue malinké qui existe en Soussou aussi, qu'on appelle Dundu. Les Soussous, quand ils disent Dundu, ça signifie calme-toi, calme-toi. Mais Dundu, ça signifie que c'est un secret. Une fois que la personne est assimilée, dans tous les villages, plus personne n'en parle. D'ailleurs, l'assimilation va si loin que la meilleure assimilation, celui qui est roi ou celui qui est propriétaire de l'esclave, lui donne sa propre fille. Une fois qu'il lui a donné sa fille, les enfants sont nés, les enfants sont à la fois son sang et le sang de l'autre. Il y a aussi ce qu'on appelle le totem. Quand quelqu'un arrive dans un village chez nous, généralement dans toutes les régions, on essaie de l'identifier. Le nom ne suffit pas toujours, ça peut être un étranger. Une fois qu'il est là pour l'identifier, on lui demande de quel bon nom, à quel bon nom réponds-tu ? Il répond, si ça ne suffit pas pour l'identifier, on lui demande son totem. Une fois qu'il a décliné son totem est celui d'une famille ou d'un clan ou d'une frange de la population. Et on le conduit dans cette famille. Il est reçu, accueilli, il est chez lui. Il en est de même aussi de la fraternité à plaisanterie. Tout ce que je dis là se trouve dans le livre que je viens d'achever et qui va être présenté ici bientôt, « Ethnie, parti politique et cohésion nationale ». Dans la fraternité à plaisanterie, il y a beaucoup d'aspects. Ces aspects sont là pour détendre l'atmosphère. Et généralement, on a dit « on ne verse pas le sang, on doit protéger, etc. » Mais il y a aussi l'habit porté à l'envers. Si vous êtes pressé en sortant de votre maison, cela arrive rarement aujourd'hui, avec les habits qu'on a, mais avant c'était fréquent. Si vous portez l'habit à l'envers, dès que votre sanankou vous voit, automatiquement vous êtes obligé d'enlever l'habit et de le lui donner, quelle que soit la valeur de l'habit. Il y a aussi une exception, les sanankous se protègent. Il y a un jour de l'année qu'on appelle le sanankou Bessilong. Ce jour-là, les Sanankou peuvent se rechercher à travers les ruelles d'une ville et se battre. Mais même cette bagarre, c'est toujours dans la bonne humeur, dans la plaisanterie. On les recherche. La fraternité à plaisanterie a donné lieu aussi à des histoires dans notre pays. L'histoire la plus connue, c'est entre les Peuls et les Djakankés. Ces Peuls et les Djakankés se sont trouvés, d'après ce qu'on nous raconte, au bord d'une rivière. Les Peuls disent qu'il y a un seul Peul qui a pu attacher 33 Djakankés au bord de la rivière avant de traverser. Les Djakankés disent qu'ils ont... Parce que tout, je vais vous dire ça aussi, peut-être qu'il y en a dans la salle. Sans exception, tous les Djakankés sont des marabouts, du plus petit au plus grand. Eux, ils disent que grâce au grain de chapelet de leur grand-père, le Kramokoba, c'est un seul Djakanké qui a attaché 33 Peuls. Résultat, quand les Peuls et les Djakankés se retrouvent quelque part, c'est toujours la plaisanterie, c'est toujours la même histoire qui reprend, c'est toujours la bonne atmosphère. On ne voit donc pas comment des Djakankés et des Peuls qui connaissent leur histoire ou à qui on peut rappeler leur histoire peuvent être en conflit. S'agissant de conflits, il n'y a pas que la fraternité à la plaisanterie, le totémisme, les tabous, l'assimilation. Il y a eu des pactes qui ont été signés entre les différentes communautés. Chérif en a parlé, mais je voudrais vous en donner la substance de quelques-uns de ces pactes. Des pactes ont été signés entre les communautés vivant ensemble dans la région forestière. Certains de ces pactes
sont transfrontaliers avec les communautés vivant au Libéria, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. Je vais citer des courts passages de deux de ces pactes. Figurez-vous, le pacte de Missadou a été signé en 1640. 1640, figurez-vous. Si nous restons, citation, si nous restons soudés de la manière dont le coton a été filé, aucun mal ne pourra nous atteindre. Soyons et demeurons soudés. Mais si nous nous dispersons et si nous sommes désunis, tout acte, tout alors peut nous arriver. Le pacte de Mara qui a été signé à Kissidou en 1870. Citation, extrait. Puisque Dieu a voulu que nous soyons ensemble, nous devons être sincères les uns envers les autres. Nous devons prêter serment pour nous-mêmes et pour l'avenir de nos enfants. Ce sont là, depuis cette époque, les liens qui existent entre des communautés qui ne sont pas de la même ethnie. Maintenant, dans nos sociétés, la résolution des conflits n'est pas dévolue à tout le monde. Il peut y avoir dans un village des sages, la père de famille, les sages, les chefs de clan, mais il y a aussi des personnes qui sont plus ou moins désignées pour cela. Ces personnes en forêt, le cousin est prioritaire. Là, son rôle est essentiel dans la société. Il n'y a rien normalement qu'on puisse lui refuser. Dans la société mandingue et dans la société de la Basse-Guinée, et généralement dans le reste du pays, le griot a un rôle extrêmement important. C'est le griot qui connaît l'histoire, qui est détenteur de l'histoire. Et vous ne pouvez pas régler un conflit si vous ne connaissez pas l'histoire des gens qui sont en conflit. C'est le griot qui, depuis la naissance, tête les cultures, les us et coutumes, depuis le berceau. C'est lui aussi qui apprend à parler, qui connaît les proverbes, les dictons, les adages, et qui sait les dissier au moment où il est en train de résoudre un conflit. Donc, si vous devez résoudre un conflit dans une société, il faut connaître la société, il faut connaître son histoire, il faut connaître sa culture, et dire à bon escient les propos qu'il faut avancer pour ne pas blesser tel ou tel. C'est le griot aussi, comme il sait parler, et nous faisons en sorte que dans nos communautés, pour que les gens ne soient pas opposés, on fait en sorte que la parole ne soit pas directe entre les deux parties. Il y a toujours le griot qui est là pour passer la parole. Pour quelles raisons? Les personnes qui sont en colère ou qui sont en conflit, le venin peut circuler dans leurs propos. Pour extraire ce venin et l'éviter, bien qu'on l'entende, c'est le griot qui est là pour donner une tournure acceptable à la phrase qui est avancée pour faire en sorte que ce soit quelque chose de paix et non de guerre. Donc ça encore, c'est le rôle du griot. C'est en même temps le griot qui est là pour transmettre les différents messages. Et dans la résolution des conflits, on a beaucoup, beaucoup de petits détails que les gens négligent. C'est par exemple la cola. La cola a un rôle symbolique dans la société. Pour ne pas parler, pour ne pas froisser, pour ne pas blesser, très souvent on utilise la cola. C'est tout un langage. Si vous envoyez 10 noix de cola blanche dans une famille, généralement c'est pour demander la main d'une femme. Si vous envoyez 40 noix de cola dans une famille, c'est pour le divorce. Au lieu d'envoyer quelqu'un pour dire « nous ne voulons plus de votre fille », vous allez recevoir un colis, un petit paquet de cola où il y a 40. Il vous suffira de compter pour comprendre qu'il s'agit de divorce. Si par exemple c'est pour annoncer un décès, au lieu de venir l'annoncer brutalement, c'est 9 colas qu'on va présenter. Donc la cola a un rôle symbolique extrêmement important dans la société de courtoisie. À un baptême, à un mariage, à d'autres cérémonies de caractère social, c'est la cola qu'on envoie, c'est à peu près une carte d'invitation. Donc tout cela pour résoudre un conflit dans une société, obligatoirement celui qui est là, médiateur, doit connaître ces choses, les approprier et faire en sorte qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Maintenant, nous allons... une phrase. En Guinée, ici, comme l'a dit, on nous a félicité. Et c'est plus dû au peuple que généralement au gouvernement.
J'ai dit dans mon livre que le peuple en Guinée s'est toujours montré plus sage que ceux qui l'a gouverné. Ces peuples qui sont chez nous ne se sont jamais opposés frontalement. Entre deux ethnies, on n'a jamais eu de guerre. Vous pouvez avoir des personnes ou un groupe de personnes être opposées, mais pas une ethnie à une autre ethnie. Et en citant une personne qui se trouve là, je n'en suis pas sûr. Moi, dans mon livre, j'avais fait une recherche, j'avais entendu une phrase. Une étrangère qui était d'une organisation internationale des Nations Unies avait dit que la Guinée est une marmite qui boue, mais dont l'eau ne se verse jamais. On m'a dit que la phrase est de Mme Baranga. Comme je n'avais pas son adresse, je n'avais pas pu lui demander la permission de marquer son nom, je cite la phrase parce qu'elle est belle, mais elle n'est pas seulement belle, elle est réelle. Maintenant, je conclue. Moi, en tant que professeur, disons, pas professeur, maître d'école, je m'étais dit, je ne connaissais pas le format de cette conférence. Je me suis dit, bon, ce à quoi je suis habitué à l'UNESCO, vous préparez une communication en bonne et due forme. Quand vous venez, vous la présentez. Après, vous laissez un papier écrit, bien saisi, au secrétariat. Ça fera partie des annales. Bon, j'arrive, je trouve le docteur Chérif qui parle avec beaucoup de machin, en rappelant des souvenirs. L'autre qui vient après qui parle, je dis, mais tes pages-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Je me suis dit, bon, ben, il faut peut-être faire comme les autres. Et j'ai fait comme eux. Je vous remercie. Un grand merci pour toute la sagesse déversée sur la salle. Monsieur le Président d'honneur, est-ce que vous voulez à chaud faire un commentaire avant qu'on ouvre la parole pour le public? Je voulais d'abord féliciter nos panélistes et simplement marquer quelques ruptures qui permettent de mieux gérer le contexte présent. En fait, si tous ces mécanismes traditionnels existent, pourquoi elles ne peuvent pas prendre en charge les crises et les conflits actuels dans nos pays? Il y a d'abord l'espace qui a changé. La modernité a créé l'urbanité, où les terroirs traditionnels ne sont plus les espaces dominants de la vie nationale, mais c'est les terroirs urbains nouveaux, où personne n'accueille personne, personne n'assimile personne. On n'a pas su réinventer des mécanismes adaptés à cette réalité-là. Si vous avez écouté le ministre Camara, il dit que la première stratégie de prévention de conflit, c'est l'assimilation. Aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, vous achetez un terrain dans un quartier. Votre argent vous ouvre la porte et vous accueille. Vous n'avez personne qui vous installe. Ces petites ruptures de tradition sont à la base de l'accumulation des conflits en milieu urbain. Je voulais insister sur ça, de l'utilité de la tradition dans la modernité. Je parle ici, je suis un peu complexé parce que la Madame Bangoura qui est ici m'a attendu et monsieur là m'a vu tout petit, mais je me souviens qu'à Conakry, même quand simplement vous venez comme locataire dans un quartier, on vous conduit d'abord chez le sage du quartier. Le sage du quartier, effectivement, vous interroge. Vous venez de quelle préfecture? Quel est votre nom? Quel est votre totem éventuellement? Il vous confie à une des familles du quartier. Alors que vous êtes déjà majeur, souvent vous êtes déjà fonctionnaire. J'insiste sur cela parce que si on ne comprend pas pourquoi l'Afrique moderne n'arrive pas à intégrer ces mécanismes qui ont fait leur preuve, si on ne comprend pas le fait qu'on ne les reproduit pas dans notre fonctionnement moderne, l'école ne les enseigne pas, l'école qui est le lieu même de la production sociale ne les enseigne pas, les institutions étatiques, à force d'être formelles, ne laissent la place ni aux griots, ni aux sages. Nous pensons que le chef de quartier peut jouer tous ses rôles là en même temps. Résultat des courses, il ne joue aucun des rôles. J'insiste aussi sur une autre mutation. C'est la mutation de la parole. La parole dans l'espace public était une parole réglementée. On ne disait pas ce qu'on voulait. On disait ce qu'on devait dire en public. Quand on avait des choses à dire qu'on ne peut pas dire en public, on allait voir le griot
pour lui dire, en fait, voilà ce que je pense. Mais grâce à toi aujourd'hui, je me suis contenté de dire ça. Et le griot faisait le relais et la médiation. On n'a pas d'éducation de la parole publique aujourd'hui. Chacun passe à la radio, dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent, s'exprime, mais ne parle pas. Parce que parler, c'est toucher l'autre. S'exprimer, c'est dire ce qu'on pense. Pour le moment, nous n'avons pas éduqué notre société pour que les jeunes parlent, ils s'expriment. Voilà pourquoi il y a tant d'injures, tant de manquements, et dans les radios et sur les réseaux sociaux. Autre mutation qu'on n'a pas vu venir. Avant, la parole était tellement sensible qu'on refusait qu'elle soit la propriété du fort. Le fort, c'est-à-dire le chef du village, ce qu'il pense du sujet, il le partageait avec son conseiller, le griot. Quand il y avait la séance publique, il ne disait pratiquement rien. C'est à la fin qu'il regardait les autres sages et il demandait au griot de proposer une conclusion. Et de cette conclusion, il tirait sa décision. Le fait que le décideur ne participait pas au débat facilitait la conclusion. La structure du débat moderne est que le principal décideur donne son orientation d'abord, écoute le débat et redonne sa conclusion. Ce fonctionnement vertical est un vrai problème de dialogue chez nous africains. Maintenant, les rites et les moments. Il y a Ba Mamadou, célèbre homme politique guinéen, ancien de la Banque mondiale, qui m'a fait rire un jour. Je lui ai dit, tonton, pourquoi en Guinée, il n'y a jamais de guerre civile? Parce que même toi, tu t'es beaucoup débrouillé là pour que ça bouille, mais ça ne marche jamais. Il dit, fiston, je cherche la raison, mais c'est un vrai problème pour moi. Un jour, il m'appelle, comme mon bureau était presque en face de chez lui, je viens de voir, il dit, j'ai trouvé la solution. Il dit, je viens d'un décès. Il dit, en Guinée, dès qu'il y a un décès, vous vous retrouvez, la première chose, c'est les liens entre les uns et les autres. Et quand les Guinéens commencent ça, vous vous rendez compte que vous êtes tous liés. Il dit, je crois que les alliances par le mariage sont un véritable ciment pour la stabilité de ce pays. Je voudrais qu'on ne réinvente pas l'histoire. Je parle de Cheikh Oumar Tall aujourd'hui parce qu'en fait, qui a fait la constitution du Fouta? C'est Cheikh Oumar Tall, c'est un consultant. C'est dans sa pérégrination dans le Fouta Dialon qu'il a interrogé les Souria, les Almamia, il a compris la question de l'alternance. Il leur a fait une proposition. C'est les discussions de Dalin entre Cheikh Oumar Tall et Morlabé, Mor Dalin, tous les sages du Fouta, c'est de cette discussion qu'est sortie l'idée d'alterner la transmission du pouvoir entre Souria et Almamia. Cheikh Oumar Tall est un grand contributeur à la résolution des conflits institutionnellement et par aussi les groupes sociaux, les ethnies. Exemple, à Dinguiraye. Il vient à Dinguiraye, il a les peuls avec lui, les Djalonké, les Mandeng, beaucoup, les Toucleurs. Nous avons souvent, quand nous sommes en face des gens de Dinguiraye, que soit ils n'ont pas d'ethnie, soit ils sont de toutes les ethnies. C'est parce qu'il a fondu les ethnies dans trois groupes qu'il a inventés en plein 19e siècle. J'insiste sur ça parce que l'histoire n'est pas arrêtée une fois pour toutes. Elle évolue. Nous avons arrêté simplement l'histoire avec la modernité parce que notre système éducatif, nos systèmes institutionnels n'ont pas validé nos pratiques positives du passé. Mais pour que ces pratiques existent, il faut qu'elle soit dans la tête et dans le cœur de nos enfants. Donc, il faut les enseigner. Deuxièmement, il faut qu'on fasse preuve de plus de créativité, Madame Baranga, et de moins de mimétisme. Toutes les réconciliations nationales ne se font pas de la même manière. Chacun doit emprunter à sa réalité passée et présente.
Pour finir, madame, juste un point pour vous faire rire un peu. Et les Guinéens pensent qu'ils ont beaucoup de problèmes. J'ai eu la chance d'accompagner monsieur le ministre ici présent en 98. J'étais jeune chef de cabinet. On est parti voir Kofi Annan à New York. Madame Mawa Bangoura était ambassadrice de la Guinée, représentante auprès des Nations Unies. Et la question qui se posait, c'est comment, tout en faisant la guerre aux rebelles dans la sous-région, on peut commencer à construire la paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères alors devait partir avec 6 ministres. Finalement, personne n'a eu dans son agenda la possibilité de venir. Mon ministre m'a chargé, les deux m'ont choisi comme Sherpa pour l'accompagner. Et je me souviens de la question de Kofi Annan. Monsieur le ministre, vous avez répondu, je suis impressionné, vous avez répondu aux questions économiques, n'est-ce pas ? Aux questions d'agriculture, aux questions d'urbanisme, à toutes les questions. Aux questions militaires même, vous avez donné des réponses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour démarrer sur la construction de la paix ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on a en Guinée qui permet de commencer la construction de la paix ? Je cite de mémoire, monsieur le ministre, il a dit, vous savez, le problème que nous, on a avec, pourquoi on n'arrive pas à être méchant avec les réfugiés ? C'est que ce sont nos frères de l'autre côté qui viennent sur notre territoire. On ne peut pas les mettre tous dans les camps. Ce qu'on vous demande, c'est de favoriser la relance de la Mano Riva Union pour qu'on puisse commencer à construire entre nous, malgré la guerre, les chemins de la paix. Je reviens sur ça pour dire qu'à ce niveau-là, international, si vous voyez quelqu'un de la sagesse, du niveau de Kofi Annan, poser la question à un ministre, quelle est la solution qu'on peut trouver ? Et c'est cette solution qui a permis de relancer la Mano Riva à l'époque, de mettre en place le comité conjoint de sécurité et de faire le 10e protocole de paix et de sécurité sur la Mano Riva. J'insiste sur ça, nous sommes capables de trouver des solutions, mais il faut qu'on accepte que la société a bougé. On n'a plus le même homme, c'est-à-dire le même être humain, homme et femme, ce n'est plus le même équipement culturel, ce n'est plus le même espace, mais les conflits restent les mêmes. La terre reste un objet de conflit. La représentativité reste un objet de conflit dans une société concurrentielle. Excusez-moi, je vais raconter une mauvaise histoire. Quand Zéro Corée, 2005, j'en discutais avec Mme Baranga, je suis ministre de l'Intérieur, je rassemble tous les partis politiques de Zéro Corée. Je leur demande, mais quels sont les gens qui ont défriché Zéro Corée là ? Tous me répondent, ah, c'est les Guerzés. Je dis, ce que je demande à tous les partis politiques, est-ce que dans notre tradition, celui qui vous a accueilli, vous pouvez être son chef chez lui ? Ils disent, ah, c'est difficile. Pardon, faites-moi des listes et mettez en numéro un chacun de vous un guerrier qui doit être votre maire. Je ne me mêle pas de ça. Mais si vous voulez la paix, reconnaissez à celui qui a défriché que c'est lui qui a défriché. Celui qui a défriché aussi, reconnais aux autres que s'ils n'étaient pas venus chez toi, tu n'aurais pas eu un grand marché. Tu n'aurais pas eu la prospérité que tu as. Tu n'aurais pas eu la réputation que tu as. C'est pour vous dire que c'est au quotidien, cas par cas, que nous devons avoir le courage d'interroger l'histoire et de parfois utiliser les ressources de l'histoire pour régler des problèmes qui pourraient être compliqués. Le dernier exemple que je donne, qu'on vit aujourd'hui entre nous et nos voisins, c'est l'histoire de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Mais les paysans, ils connaissent la limite, mais ils ne connaissent pas la frontière. Ils savent qu'il y a un village qui s'appelle Yenga. Ils savent qu'il y a une colline qui s'appelle Ilema et ils savent qu'il y a de l'autre côté Nongoa. Ils savent qu'ils ont toute l'histoire, toute la mémoire de cet espace-là. Même quand les colons sont venus, comment ils l'ont occupé ? Mais nous, on a été obligés d'aller à l'Institut géographique de Londres et de Paris pour chercher les archives de 1912. Malheureusement pour nous, quand en 2004 on a cherché les archives, on les a placées sur le terrain. C'est là où les paysans nous ont dit qu'il y a la limite, on a trouvé la limite là-bas. C'est pour vous dire qu'il faut valoriser aussi la mémoire sociale, la mémoire historique et la mémoire des acteurs concernés par chaque sujet, que ce soit un sujet agricole, un sujet de limite ou un sujet politique. Je vous remercie. Un grand merci, monsieur le ministre d'État, pour nous avoir retracé les défis de l'approche traditionnelle dans la modernité et notamment la modération de la parole, mais aussi pour avoir esquissé quelques pistes. Et pour nous, aux Nations Unies, nous travaillons véritablement dans le cadre de la Mano River Union parce que nous avons des problèmes communs et des solutions
commune. Et c'est vraiment important pour nous. Je vais demander à nos amis de faire vraiment 3 minutes d'intermède, le temps que vous prépariez une ou deux questions. On va finir à 14h pile. On prendra peut-être une ou deux questions. Préparez-les, mais vraiment des questions, pas des exposés. Et entre-temps, on va les laisser jouer 3 minutes, le temps de... Parce qu'on a assimilé tellement de choses dans ces débats si riches. Je vous en prie. Bien, on va commencer à passer la parole avec la musique. Je crois que monsieur là était le premier à lever la main. Alors, je peux prendre votre micro ? Merci. Donc, le monsieur avec le chapeau. Oui, allez-y. Cher capitaine, merci d'avoir entraîné l'équipe. Chers coéquipiers et coéquipières, je vous remercie de vos interventions qui tournaient autour de l'idée, si j'ai bien compris, que décidément, au regard de la courte comme de la longue histoire, c'est le conflit qui est la chose en Afrique, en tous les cas, et dans le monde en général, la chose du monde la plus partagée. Et précisément sur le partage, vous nous avez mis sur la table les instruments de régulation des conflits. Vous avez convoqué des instances, les instances traditionnelles, et j'ai bien retenu de Madame Baranga que la gachacha, la conversation sur l'herbe, a été un moyen capital après la tragédie rwandaise et le génocide des Tutsis. Je crois que vous avez dit comment les choses se sont passées et vers quelle perspective de réconciliation cette conversation a eu lieu. Pardonnez-moi, Madame la médiatrice, parce qu'en convoquant ici le Rwanda, je ne voudrais pas, en tant qu'invité spécial, manquer à l'information générale. J'ai eu la chance d'obtenir le grand prix littéraire d'Afrique noire à partir d'un livre qui s'intitule « Souveraine magnifique » et qui revient sur la tragédie rwandaise, qui montre effectivement que si c'est un peuple sur un seul territoire qui parle la même langue, il s'est quand même produit là une grande catastrophe. Et que celle-ci a été médiatée, c'est un terme que vous avez utilisé, a été médiatée par la convocation de la parole et surtout par l'intermédiaire des sages que vous avez nommé les Inyangamugayo. Alors ceci ressemble aussi à côté du Rwanda, au Bashingantai, que j'ai connu, en tous les cas dans mes lectures, au Burundi. Et dans ces lectures, j'ai donc appris que quand il y avait une situation difficile, une situation qui pouvait entraîner des désastres, une disharmonie à l'intérieur d'une société, il fallait trouver des instruments pour la réguler, pour restaurer les mélodies, les harmonies rompues. Et dans cette restauration, je crois qu'on doit quand même à l'Afrique, qui s'inscrit dans un mouvement général, parce que je suis enseignant et je sais que les questions de restauration, les questions de justice, les questions de redistribution des pactes anciens qui avaient été rompus, a été posée brutalement dans les années 70 par des populations qui étaient originaires de territoires, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou en Amérique du Nord, je pense au Québec et aux États-Unis, et que ce sont ces populations, ces tribus qui avaient été désunies et qui avaient été maltraitées par l'histoire, qui revendiquaient leur place dans une entièreté dans la société.
Et je sais aussi qu'à partir de ces années 70, l'Afrique du Sud a été très intéressante parce que Nelson Mandela a fait en sorte que la commission Réconciliation et Vérité s'instaure. Et pour cela, je veux finir en disant que nous sommes ici aux 72 heures du livre. Et les 72 heures du livre nous invitent à penser aux écrivains. Et vous avez parlé des maîtres de la parole. Or ici, les écrivains, ce sont les continuateurs de l'oralité, ce sont les maîtres de l'écrit. Et vous avez convoqué les griots, vous avez eu raison. Et comment se fait-il que dans notre Afrique, on ne songe jamais aux écrivains lorsqu'il s'agit de régler les conflits? Donc je vous soumets une suggestion. Je ne parle pas en mon nom, mais je vois ici des autorités qui écrivent aussi des livres. Je sais qu'au Burundi, il y a des gens, je pourrais vous donner les noms, pour constituer une première ossature, pour que les écrivains ne soient pas simplement à côté pour déplorer, mais qu'ils soient partie prenante pour restaurer et rétablir les équilibres. Merci. Et en le disant, je voudrais finir aussi. Merci. Je veux Merci. Finir par Merci. Un seul mot, c'est un mot des musiciens. Et le musicien, c'est celui qui dit « Nakata ndongo, nakata weya, ebunya po nampuma mbembengi, nyaboso neneno, anwini muna oe, webunya po. » Naï, oué de tinde awado, muto et wenge. C'est les retrouvailles. Richard Bonin. Merci beaucoup. On va prendre, il y avait une main par ici. On va prendre une seule. Voilà le monsieur dans le fond, là. Très bien. Tu me prends une vidéo. Allô? Bonjour, moi c'est Dr Aboubakar Lital, sociologue associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa, petite fille de Cheikh Omar Fouti dont vous avez parlé. Et juste, je vais saisir cette occasion pour dire le rôle des femmes dans la paix. Parce que quand le roi de Ségou a arrêté Cheikh Omar Fouti, c'est son épouse qui l'a conseillé de le laisser partir, disant que celui-là c'est un saint. Tes adversaires veulent que tu l'emprisonnes pour que ses prières te détruisent. Donc les femmes sont effectivement, comme vous avez dit, madame, la voûte, la clé de voûte de la paix. Et ça, que ce soit au niveau national et international. Vous avez parlé de toutes les ressources dans l'histoire, tous les mécanismes de paix, les cousinages, la plaisanterie, les pactes que nous avons. Malheureusement, comme disait le ministre d'État, qui n'est pas enseigné à l'école. Parce que nous avons pas laissé l'éducation de nos enfants à l'école coloniale, qui nous instaure d'autres. Ce que vous avez dit, madame Baranga, vous aviez laissé un Mali en paix, presque un modèle de paix, de coexistence pacifique entre les communautés. 2 ans après, ce n'était pas le cas. On sait que ce qui se passe au Rwanda, ce qui s'est passé au Rwanda, au point que le général Dallaire du Canada démissionne, et même une dépression nerveuse, parce que comme vous avez dit, la paix des Nations Unies n'est pas efficace. Les gens étaient là, la mission de paix, et avec des armes, ont laissé les gens s'entretuer jusqu'à 1 million. On a parlé du RCA, etc., etc. Mais comment prévenir ces guerres qu'on nous amène en Afrique après avoir fait des centaines de guerres en Europe, de nous transférer ces guerres entre nous alors que nous vivions en paix, en nous détruisant? C'est-à-dire, le dernier cas, c'était Kadhafi, c'était Sankara, et avec toute la sous-région sahélienne. La solution, n'est-ce pas, de chercher comment faire pour que l'Occident arrête d'allumer des guerres chez nous pour nous exploiter? C'est ça que je vous demande comme question. Merci. Merci, madame. Et donc, on va prendre la dernière question dans le fond et on va mettre fin à cette table ronde. Merci beaucoup à ces panélistes. Je veux poser la question à monsieur le ministre rapidement.
Merci pour la précision, pour faire remarquer qu'effectivement, l'espace a changé et qu'il est temps de créer un cadre d'adéquation entre nos réalités ou nos mécanismes endogènes et aussi les défis qui nous attendent sur le terrain de la construction de la paix. Alors, par rapport aux pactes, les pactes qui ont été cités, est-ce que ce n'est pas le temps, justement, de faire en sorte que nos mécanismes endogènes s'abreuvent, justement, de ces pactes, plutôt des nouveaux concepts tels que la consolidation de la paix aujourd'hui? Donc, comment créer aujourd'hui cette adéquation entre les pactes que nous avons cités, que nous avons en tant que mécanisme endogène, et les nouveaux concepts que nous avons aujourd'hui, tels que la consolidation de la paix, tels que, si vous voulez, le maintien de la paix? Donc, moi, je pense que c'est intéressant et peut-être que vous aurez quelque chose à dire par rapport à ça. Je vous remercie. Je pense que nous devrons faire une deuxième table ronde, mais je passe la parole à Sansi Kaba. Je voudrais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel. Vous savez, les 72 heures du livre, c'est un concept, c'est un forum d'idées. La première personne qui a accepté d'être président du comité d'organisation au départ, c'était M. Gyati Kondé, que je vous demande d'acclamer très très fort. La première édition, livre « Avenir de la Guinée », c'est lui qui était à nos côtés. C'est important. Merci, M. Sansi. Merci à nos voyants animateurs. Merci à M. le ministre d'État. Avec votre permission, je voudrais poser deux petites questions. La première concerne la Guinée. Nous savons que l'utilisation des armes dans les conflits rend leur règlement très complexe. Cependant, nous constatons ces derniers temps en Guinée que les conflits entre les familles, les conflits entre les villages, on utilise de plus en plus des armes blanches, des armes à feu. Quelle solution proposez-vous à ce fléau? C'est ma première question. La deuxième, on a beaucoup parlé de dialogue. Pensez-vous qu'avec le dialogue, les djihadistes africains peuvent déposer les armes? Merci, j'en ai fini. Beaucoup. Alors, comme il est 14 heures, ce que je vais faire, parce que pour répondre à chaque question, il faudrait une autre table ronde, je vais donner à chaque personne, en commençant par le ministre Kapi et en venant jusqu'à moi, vraiment 30 secondes pour dire un mot, le mot de la fin, ou répondre à une des questions comme ils veulent. Donc chacun va dire un mot pour conclure et on va avoir un petit peu de musique à l'issue. Bien, moi c'est pour le monsieur qui est en face de moi. Il a posé une question, mais s'il avait bien écouté ce que j'avais dit, il a dit que pour résoudre un conflit, il faut que ce soit des personnes qui connaissent l'histoire des parties en présence. Si vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne connaissez pas leur culture, les us et coutumes, vous ne pouvez pas résoudre le conflit. En 1630, il y a eu telle chose. Récemment, il y a eu tel événement. Quels étaient les acteurs principaux? Il faut avoir cette connaissance profonde du milieu dans lequel on évolue pour pouvoir trancher, pour pouvoir régler un conflit. Donc, résultat, je pense que votre question, si j'ai répondu, si vous attendez une réponse, je reviens à ce que j'avais déjà dit. Merci beaucoup. Comment réinventer les mécanismes de prévention et gestion des conflits dans la modernité? Il ne faut jamais oublier que Sundiata avait des devanciers. La charte de Kruganfuga est un concentré et une amélioration de toutes les petites chartes que les chasseurs de l'espace mandingue avaient avant Sundiata. Donc il a réinventé le passé pour être moderne au XIIIe siècle. Nous aussi, nous devons réinventer le passé pour être moderne dans le contexte du XXIe siècle. C'est extrêmement important de le savoir. L'autre question, c'est les armes et les conflits. Très sincèrement, la seule façon de régler ce problème est d'assumer le principe moral et juridique selon lequel une arme n'est pas un outil ordinaire de vie. Une arme est une responsabilité presque pénale ou mortelle. Les armes doivent se gérer en dehors des familles, en dehors des mains des individus. Tout ce qui peut tuer, qui est caractérisé comme arme, doit être interdit dans la vie de tous les jours. Je crois que je vais répondre à ce monsieur-là. Excusez-moi.
qui vient de poser la question sur le djihadisme. Je vais bien répondre parce que on est confronté à ce débat au Mali. Et je me rappelle, j'étais à Menaka récemment, et Gao, avec les armes qui circulent, le slogan c'était Menaka sans armes. Mais tout le monde est armé. Parce que tu ne peux pas déposer les armes si tu ne peux pas te défendre. Donc pour eux, défendez-nous d'abord le territoire, ayez les autorités dans la ville, établissez l'ordre, on va déposer nos armes. Ça, c'était l'argument qu'ils m'ont donné. Deuxièmement, qui est djihadiste et qui n'est pas djihadiste? Dans les communautés aujourd'hui, les gens se posent la question, comment tu pénètres dans la société? Dans la société traditionnelle, je crois que vous tous l'avez évoqué, quand un étranger vient, on l'accueille, mais c'est tout le village qui l'accueille. Alors, je réponds juste par une anecdote qu'on m'a donnée récemment. En certain, Amadou, c'est un boulanger. Et le boulanger, il a l'habitude de voir tout ce monde qui vient acheter du pain. Et M. Mamadou vient, il achète chez Ahmed 5 pains chaque jour, parce qu'il connaît sa famille, il connaît ce que... Et un bon jour, il arrive, il achète 20 pains. Il dit, ah, Mamadou, donc tu as des étrangers chez toi, tu ne nous as pas invités pour manger ensemble. L'autre n'a rien dit. Il part. Le lendemain, il revient, encore 20 pains. Et Ahmed n'a rien dit. Il prend son petit téléphone parce qu'il y a des mécanismes de sécurité qui sont efficaces. Quand tu commences à voir la police, la gendarmerie et tout le monde qui travaille avec la communauté, c'est eux qui t'informent pour sécuriser le village. Et là, il n'a rien dit. Mais comme il n'avait rien dit, l'autre a dit, ah, il appelle son petit téléphone, commissariat. Je pense qu'il peut passer là. Il y a des étrangers chez elle et il n'a pas voulu me dire, mais voilà ce qui s'est passé. Quand ils sont partis, tu sais qu'ils ont trouvé 5 djihadistes qui sont cachés dans la maison. Et ça a été sauvé, ça a sauvé le village. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui quand le monde est pénétré par des criminels, des bandits et toutes sortes. Aujourd'hui, on utilise le mot djihadisme. Et quand on dit le débat, il ne faut pas discuter avec le djihadisme. C'est tout un débat, vraiment un faux débat, à mon avis. On connaît les mécanismes de sécurité, on sait comment s'y prendre. Mettons de l'ordre dans nos sécurités intérieures. Mettons de l'ordre dans les sécurités des frontières. D'ailleurs, c'est l'occasion de donner hommage, de rendre hommage aux Nations Unies. Nous sommes entrés entre le Mali et la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina, le Mali et le Niger. Nous sommes en train de parler de la gestion des frontières autour du Mali. Parce que le Mali a été secoué. Et le nord du Mali, c'est vraiment... tu peux aller dans des régions où il n'y a personne. C'est le désert. Donc tout le monde peut entrer, il y a trafic des armes, il y a tout ça. Si tu n'y prends pas garde, toutes ces armes que vous avez ici qui pénètrent dans les communautés, c'est des armes qui sont vendues un peu partout. Donc prenez-vous garde. Moi, ce que je dis en tant que Nations Unies, je dis, les États, réveillez-vous. Vous avez des commissions mixtes, vous avez des commissions régionales. Prenez garde. Sinon, si on ne prend pas garde de sa sécurité, de la sécurité régionale et même de l'Afrique, on va disparaître. Donc c'est ça, en fait, que le vrai débat. Le reste, bon, c'est autre chose. Merci. Merci, Maroka. Hacha? Ce qui est de la réconciliation des conflits, le bureau de Guéli sont là. Il y a le réseau national des communicateurs traditionnels qui, nous, on est représentés jusqu'au dernier village. Tout ce qui concerne des conflits, les Guéli sont informés. Troisièmement, c'est les femmes. Parce que nous, on a des crières publiques dans les quartiers ou dans les villages de Fonfelle là-bas. On peut arranger. Même si tu es là, tu envoies une commission, c'est réglé. Mais les femmes sont de beaucoup là-dedans. Il faut que nous soyons une bonne femme. Parce que le dernier mot, après 0h jusqu'à 4h du matin, c'est que la bonne femme dit, c'est ça le matin. Je vous remercie. Moi, je voudrais revenir sur la pratique des pactes. Et c'est vrai, monsieur le ministre a raison, monsieur le ministre d'État, de dire que sont toutes ces ruptures de petites actions
qui ont fait que la modernité aurait pris peut-être le dessus sur le traditionnel. Mais moi je sais une chose, c'est que j'ai habité Paris pendant longtemps, j'ai écrit sur la charte de Koukanfoua dans mon livre « L'importance de la parole chez les Mandingues de Guinée ». Il y a des articles, je parle pour monsieur le ministre d'État, il y a des pratiques qui sont à Paris et je les ai retrouvées dans la charte de Koukanfoua. Un exemple, il est dit dans la charte de Koukanfoua, je ne me rappelle pas le numéro d'article, qu'un objet qu'on a perdu depuis 4 ans et qu'on garde par devers soi, parce que le vol était interdit, et s'il n'y a pas de personne qui réclame, ça vous revient. Et aux objets perdus de Paris, c'est exactement ce qui est marqué. Je voulais vous le faire remarquer. D'autre part, regardez l'article 5 de la charte de Koukanfoua. C'est dit, les femmes sont nos égales, sont nos mères, sont nos amies. Elles doivent être associées à toutes les gouvernances. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors moi, pour en finir, Cynthia, je voudrais dire simplement que peut-être il serait temps, il serait peut-être temps que... Je vais taquiner un peu le doigt. Oui. Une femme, Nana Tiban, avait joué un grand rôle dans la victoire de Soundiata. C'est vrai. Bon, donc l'article n'est pas venu par hasard. Oui, mais... Non, je suis d'accord, on ne parle pas d'origine. Je vais dire simplement, pour actualiser nos gouvernances, c'était la question qui est posée, à l'instar de la charte de Koukanfoua, des pactes. Moi, je vais dire qu'il serait intéressant, s'il vous plaît. Il serait intéressant de faire une organisation avec des chercheurs qu'on arrive à réfléchir sur comment adapter la plupart du contenu de la charte de Koukanfoua et à nos gouvernances actuelles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les panélistes qui ont accepté de venir aujourd'hui. Ils nous ont donné beaucoup de travail, nous, le système des Nations Unies, parce que nous avons noté ces idées et notamment réinventé le passé pour être moderne. Monsieur le ministre d'État, en tant que conseillère à la paix du système des Nations Unies en Guinée, vous pouvez être sûr que je vais venir vous voir pour continuer cette conversation et apprendre. Et pour dire un dernier mot, c'est que je vais dire une chose qu'on n'a pas vue et qui fait aussi partie de l'enseignement et de la tradition. On a vu un ministre d'État tenir humblement le micro pour son aîné. Et je crois que ça, c'est une chose que nous, on n'a pas en Occident et qu'on apprend chez vous en Afrique. Le respect des aînés et la parole des aînés. Et aujourd'hui, nous en avons eu un exemple merveilleux. Un grand merci. Et je vais passer la parole à Sansi Kaba. Je voudrais très sincèrement qu'on applaudisse très, très fort Cynthia. On va faire un exercice simple pour vraiment féliciter Cynthia. Vous faites avec moi un banc, deux bancs, trois bancs, quatre bancs, cinq bancs. Cynthia, ça c'est pour toi. Vous savez, les 72 heures, c'est des partenaires. C'est des gens qui ont accepté de venir. C'est des gens qui ont compris que le livre peut sauver la Guinée. Et le livre doit accompagner le développement socio-économique de notre pays. Je voudrais appeler le ministre Khalifa Gassama Gabi pour remettre un trophée au coordinateur du système des Nations Unies, Dr. Vincent. Monsieur le ministre d'État.
Bonjour à tout le monde, madame. Mes respects, mes hommages. Monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre. Ben, j'ai le plaisir et l'honneur de remettre à monsieur Vincent, au nom de 72 heures de livres, pour votre contribution, la contribution de votre institution, c'est-à-dire des Nations Unies, et de toute votre équipe, pour la réussite de cet événement. Et je dois dire que vous méritez ce prix, et j'espère que cet effort de contribution des Nations Unies pour le travail de l'esprit continuera, puisque je crois qu'il est important, et nous savons ce que les Nations Unies font dans notre pays. Et je voudrais, avant de vous remettre ce prix, inviter à une toute petite réflexion. Je pense que tout a été dit. Seulement, il faudrait peut-être qu'on se penche sur notre propre schizophrénie en Afrique. La schizophrénie, c'est-à-dire cette discontinuité mentale que nous avons. Nous parlons d'approche traditionnelle et nous avons une approche institutionnelle moderne. Est-ce que nous parlons du tradition parce que nous sommes incapables d'être modernes, ou alors les solutions modernes n'ont pas de place dans notre pays? C'est à y réfléchir. Monsieur Vincent, je vous remets ce prix. Merci, merci beaucoup. Je vais être très bref parce que je sais qu'on a déjà pris beaucoup de temps pour cette discussion qui était fascinante. Premièrement, dire que je suis ému et surpris, puisque ce n'était pas prévu du tout. Remercier tous les gens qui m'ont accueilli depuis que je suis ici en Guinée. C'est un cheminement où j'essaie d'apprendre la culture guinéenne, de l'apprendre en profondeur avec vous tous qui êtes là, que j'ai rencontrés à différentes occasions. Vous êtes tous mes petits frères, grands frères, petites sœurs, grandes sœurs, auprès desquels j'apprends. Et au nom du système des Nations Unies, donc juste pour vous réitérer notre souhait d'accompagner les efforts de développement économique, sociaux, de consolidation de la paix, à travers justement ces solutions endogènes dont nous avons parlé aujourd'hui, et en essayant de réconcilier effectivement la tradition et la modernité. Donc voilà, j'en dirai pas plus parce que je suis ému et surpris par ce prix, mais j'en suis extrêmement fier. Un grand merci à toi et un grand merci à vous tous. Merci. Ministre d'État, c'est dans le bureau d'un homme exceptionnel, Vincent, tu peux descendre, que nous avons concocté cette 13e édition. Je suis venu le voir et dès qu'il est arrivé à Conakry, c'est une des toutes premières personnes à dire « Je voudrais visiter la maison des écrivains ». Il est venu à la rentrée littéraire. Et c'était dans votre bureau que nous avons discuté avec cette personne. Je voudrais que Mme Baranga remette à M. Lee Grégoire son prix pour la confiance qu'il a eue à notre équipe en investissant vraiment dans cette 13e édition. Luc. Alors, je suis vraiment content de remettre ce trophée à Luc Grégoire, parce que Luc Grégoire, je le trouve ici en Guinée, mais c'était mon économiste au Mali. Et Luc Grégoire, c'est un grand économiste ivronais qui est très connu au niveau du système des Nations Unies. Partout où il a été, après le Mali, la Côte d'Ivoire et maintenant ici. Et ce qu'il m'a dit hier, il a dit « j'ai retrouvé ma place en Guinée ». Là, franchement, c'est un Guinéen qui veut s'implanter dans la paix, la consolidation de la paix, mais avec l'économie. Et là, je pense que tu as un grand devoir à faire. Et comme le PNUD maintenant fait partie de la grande famille des Nations Unies, sous la coupole de Vincent, qu'on salue fort pour ton trophée, c'est toi qui vas coordonner tout ça, mais en sachant que tu as des collègues chevronnés qui vont aussi accompagner la Guinée. Merci et bravo. Merci beaucoup, Baranga, monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, merci pour ce prix. Mon frère Sensi, merci et félicitations pour ces 72 heures
on souhaite plein succès pour la décennie qui vient sur cette belle initiative, et puis que Conakry soit la capitale africaine du livre, c'est le meilleur vœu qu'on peut faire. Merci. Nous étions à Bamako dans l'incertitude. On a vu un décret, des arrêtés interdisant toute manifestation culturelle. Nous avons fait des démarches. Dans mon hôtel à Bamako, à la rentrée littéraire qui a été exceptionnelle, quelqu'un m'a dit, Sansi, je viendrai te supporter à Conakry. Il était là il y a quelques années. Et vous l'avez vu à la conférence inaugurale ici. Je voudrais que la Guinée applaudisse Monsieur Eugène Ebodé Mawakaba pour son prix. Monsieur Ebodé, c'est un grand honneur de vous présenter ce prix. Nous avons eu tout à l'heure l'opportunité de vous écouter et surtout le très beau chant que vous avez fait à la fin de votre intervention. Notre pays, notre sous-région, notre Afrique est dotée de beaucoup de ressources humaines, de ressources littéraires et de ressources culturelles. Et ces 72 heures du livre en ont fait état. Et permettez-moi alors d'en profiter pour également soutenir le message qui a été tout à l'heure partagé, Conakry, capitale africaine du livre, et également un appui important à la diplomatie culturelle et littéraire. Monsieur Sansi, on vous remercie, ainsi que toute votre équipe, de nous avoir confié. Monsieur Ebodé, c'est un honneur. Merci. Un seul mot, vive la Guinée. Merci beaucoup. On a beaucoup de mamans dans la vie. J'ai perdu ma maman il y a quelques années. Il y a une grande écrivaine, Madame Nadine Barry, qui m'a dit, elle sera à tes côtés. Et depuis quelques années, j'ai une maman qui m'accompagne, Adiassara Ndaraba à Conakry. Je me rappelle, c'est elle qui m'a présenté à une autre maman, Madame Baranga Gazaraboué. J'étais à Bamako, elle était à Doha. Elle m'a dit, Sansi, je serai à Conakry pour les 72 heures. Je sais que les Nations Unies ont beaucoup de restrictions de voyage, mais je serai à Conakry. Aujourd'hui, elle devrait être ailleurs, parce qu'elle voulait partir de Conakry. Je lui ai demandé de rester, parce que la Guinée doit beaucoup de choses à Madame Baranga. Je vais donner le micro à une autre maman, Madame Makale, pour remettre un trophée à Madame Baranga Gazaraboué, au nom de toute la Guinée. Merci beaucoup. Avec mes talons, je ne peux pas sauter, mais j'ai essayé de faire vite pour être là pour ma sœur. Je connais depuis des années. Je voudrais te dire un grand merci pour avoir choisi la Guinée, pour avoir aidé la Guinée, pour avoir accompagné la Guinée. Et c'est un honneur pour moi de te remettre ce prix, cette distinction que les 72 heures du livre, Sansi Kaba, toute son équipe, les écrivains, les écrivaines font de toi la présidente de la Biennale africaine du livre en Guinée.
présidente de la Biennale du livre africain de Guinée. C'est beaucoup d'honneur, mais avec beaucoup d'humilité, j'accepte ça. Et je prends cet engagement de vous porter. C'est tout ce que je dis. Merci. Monsieur le ministre d'État, il y a 25 ans, vous m'aviez dit dans votre bureau, Sansi, lorsque tu penses, il faut agir. Je venais de créer une petite association, les Amis du Futur. Vous nous avez beaucoup inspirés. Vous nous avez permis d'être des jeunes citoyens. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour tout l'appui et l'accompagnement que vous avez donné à des milliers de jeunes dans ce pays et sur le continent. Il y a un homme dans cette salle qui a fait des choses exceptionnelles sur le plan culturel au niveau de la francophonie. Il a été conseiller du président Senghor. Malade, il a accepté de venir à Conakry. Monsieur le ministre d'État, pour le ministre Macky Liga Sama. Applaudissez. Allô? Avant de remettre ce prix à monsieur le ministre, à monsieur l'ambassadeur, au professeur Marie-Li Gassama, je voudrais vous dire une blague d'un ami sénégalais. Il dit, tu sais, moi, j'ai un voisin à Dakar. Senghor est intelligent, non? Je dis oui. Il a conseillé Senghor. Donc quand je te parle, il ne faut pas me voir moi. Il faut voir Marie-Li Gassama. Il a conseillé Senghor. En bon étudiant sénégalais, il voulait nous impressionner toujours en utilisant un nom qu'on ne connaissait pas à l'époque, que j'ai découvert plus tard. Je voulais vous dire que ce monsieur qui est avec vous, modestement ici, est non seulement un homme de culture, mais c'est un Africain engagé, comme le dit le titre d'un autre auteur. Et cet autre auteur, qui n'est que le professeur Alpha Condé, dans sa lutte politique, s'est retrouvé un jour à l'ambassade du Sénégal en Guinée. Et à l'époque, l'ambassadeur du Sénégal en Guinée n'était autre que M. Marie-Li Gassama, qui justement, conformément à notre thème, prévention, gestion de conflits, a su gérer quelques semaines son note, permettre aux autorités guinéennes et aux autorités sénégalaises de se mettre d'accord sur une marche à suivre. Il avait l'écoute du gouvernement sénégalais. Il avait l'écoute du gouvernement guinéen et le respect des deux peuples. Je voulais donc vraiment insister sur cela. Les hommes de culture, mon grand frère camerounais a raison, ne doivent pas être là seulement pour reparer. Ils peuvent être là pour montrer la bonne voie, pour que les erreurs soient réduites au minimum. Je voulais donc remettre au nom des 72 heures du livre de Conakry, au nom de tous les écrivains de Guinée dont je fais partie, au nom de tous les jeunes Guinéens qui ont entendu parler de vous, je voudrais vous remettre ce modeste témoignage de notre reconnaissance et de notre souci permanent que vous soyez à nos côtés. Monsieur le ministre d'État, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous avoue que je suis très ému et pour de nombreuses raisons. La première raison, c'est que j'ai été ce matin fasciné par les intervenants, par leurs propos, et j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris, et monsieur le ministre d'État, lorsque vous parliez, je ne pensais qu'à une chose, c'est de vous rencontrer avant mon départ,
pour que vous puissiez écrire un ouvrage sur ce que vous avez dit ici et que vous le développiez. Alors, c'est vrai d'ailleurs pour chacun de vous. Vous savez, c'est une table ronde tout à fait singulière. Du premier au dernier, monsieur le ministre Camara, quand vous avez terminé, lorsque vous aviez terminé de parler, et chaque orateur m'avait séduit.